L'école n'est pas un milieu naturel pour tous les enfants. Et j'en veux pour preuve le livret scolaire. Nous avons tous eu des livrets scolaires. Nous avons tous dans le cœur et dans la tête ces souvenirs de notes rapportées à la maison, en guettant dans le regard de nos parents la fierté, ou en craignant peut-être un peu de déception. En tous les cas, que d'émotions. Le livret scolaire véhicule ce que nous valons à l'école. Et pour un enfant, l'école, c'est le premier lieu de vie après la maison. Pourtant, ça n'est qu'un petit bout de papier sur lequel nous allons constater le chemin parcouru, les différentes étapes franchies. Mais pour un enfant, pour un parent, c'est tellement. Et puis, c'est une évidence. Mais en tant que parent, en tant que maman, j'ai été privée de livret scolaire. Mon petit garçon Louis, quand il était en petite section, a rapporté un livret qui était vide. Et sur ce livret, il était écrit « Il a beaucoup crié, mais il fait des progrès ». Alors, j'ai été projetée dans un grand moment d'anxiété et surtout, je ne savais absolument pas où il se situait dans son développement, dans ses compétences, même si, quand on est en face d'un tout petit, finalement, on a le temps de voir venir. Mais assez rapidement, un moment douloureux est arrivé et nous avons eu un diagnostic. Et notre petit garçon était atteint, et toujours atteint d'une forme très sévère d'autisme. En apprenant l'autisme de Louis, bien sûr, ce fut un choc pour nous. Mais surtout, j'ai compris que pour les enseignants, ce serait vraiment compliqué. Cet enfant, il ne savait pas comment le prendre. Et surtout, il ne savait pas du tout comment l'évaluer, comment lui proposer d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, comment l'intégrer dans la classe. Pourtant, c'est un enfant, avant d'être un handicapé. Et face à cette question, nous nous sommes retrouvés devant un vide, un premier vide, l'année suivante un second vide, et ça m'a posé la question de l'évaluation. Comment fait-on quand on a un enfant comme celui-là? Rester avec une question est sans doute pas la meilleure manière d'avancer, et puis les années passent. Alors, j'ai appris qu'il existe des techniques qui permettent de décomposer finement des apprentissages et de faire en sorte que, pour gravir les marches de la connaissance, on puisse peut-être procéder à un découpage très très fin des contenus, et puis ajuster l'évaluation et mesurer non pas les grandes étapes qui sont franchies, mais aussi les petites étapes. Et c'était important, d'autant qu'en France, l'autisme concerne 100 000 enfants. 80% de ces enfants n'ont pas de livret scolaire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'école. Ils n'y vont pas. Et pour les 20% d'entre eux qui y ont accès, c'est compliqué puisque leur temps de scolarisation ne permet peut-être pas toujours de bien constater les progrès. Et puis, on nous dit souvent, comment voulez-vous l'évaluer? Il n'a pas de langage. Comment lever ses barrières pour comprendre où il en est? Je suis longtemps restée avec cette question, longtemps, 2 ans, et puis mon métier n'était pas l'éducation, mais j'avais appris, en marketing, en gestion de projet, qu'on réussit à inventer des solutions et qu'on peut inventer des solutions quand elles n'existent pas et que quand un sujet est important, il faut faire face et il faut construire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il serait important aussi de rassembler des professionnels qui maîtrisent ces techniques et qu'ensemble, on pourrait peut-être faire ce qui n'existe pas, le livret scolaire de ces enfants extraordinaires. Les tablettes tactiles constituent pour beaucoup d'enfants, ordinaires ou moins ordinaires, un grand levier de motivation. Et c'est pourquoi nous avons pensé que ce serait un excellent moyen pour lever les barrières, permettre d'objectiver la maîtrise d'une compétence, faire en sorte que l'enfant puisse toucher les réponses plutôt que de les dire, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai réuni des orthophonistes, des enseignants, des psychologues, des ergots et bien d'autres encore autour d'un projet, Learn and Joy, qui a finalement consisté à mettre un manuel
très détaillées dans des tablettes et à les diffuser par Internet. Les enfants avec autisme ont pu ainsi lever un certain nombre de barrières inhérentes à leur handicap et apprendre. Ce qui nous a semblé intéressant, c'était de définir une temporalité identique à l'évaluation et au temps de travail, pour enlever tous les biais de lieu, de personnes, puisque ces enfants ont des difficultés à transposer ce qu'ils savent d'un milieu à l'autre. Et la temporalité, maintenant, peut être la même. Quand un enfant touche un écran, en même temps qu'il répond, on peut stocker sa réponse, faire en sorte qu'elle soit enregistrée et faire en sorte qu'elle permette de comprendre si une compétence est maîtrisée ou ne l'est pas. Et surtout, en même temps que l'enfant travaille, s'amuse, apprend, nous avons eu la possibilité de faire en sorte que le coéducateur ajuste sa proposition pédagogique. S'il ne sait pas, on lui repose la question et on lui donne l'occasion d'apprendre. Il ne reste pas sur un échec. Pour vous donner un exemple très concret, l'apprentissage des catégories, par exemple, vous allez, sur un enfant au développement ordinaire, directement aller à la marche numéro 5. Un enfant sait très bien qu'une banane et une pomme sont à associer ensemble. Pour un enfant qui a des troubles du développement, ou des troubles du comportement, ou des troubles de concentration, peut-être même aussi pour un enfant allophone, primo-arrivant, vous allez avoir quelques étapes intermédiaires qui pourront l'aider. Mettre la table sur la table, des appariements d'objets identiques, ensuite des appariements d'objets identiques avec un intrus, comme l'étape 2, puis garder un intrus et mettre plusieurs exemplaires, puis passer aux associations, les chaussettes avec les chaussures, les couteaux avec les fourchettes, et enfin passer aux catégories et aux fonctions des objets. Pour accéder aux compétences, parfois il faut un peu de patience, parfois il faut juste s'ajuster au rythme de l'élève, mais c'est possible. Et si on sait exactement où il en est, la pédagogie différenciée n'est plus un principe, un vœu pieux. Grâce au numérique, elle devient une vraie possibilité. Le numérique permet de faciliter l'utilisation de nos manuels, mais il permet autre chose encore. Il permet de partager les résultats. Et le livret scolaire, tel que nous l'avons conçu, nous avons voulu qu'il puisse être édité en fin de trimestre, bien sûr, en valorisant tous les items de connaissances, de compétences, d'éléments de culture du socle commun, dont nous sommes évidemment très proches, mais nous avons aussi voulu qu'il puisse être édité à tout moment, car les enfants avec handicap sont souvent scolarisés dans plusieurs établissements, dans une école, mais aussi un IME, un CESAD, un hôpital de jour, et notre société organise pour eux, malheureusement, un parcours complètement morcelé, où des spécialistes interviendront en toute bienveillance, avec une expertise, mais très ponctuellement. Et finalement, la vision globale de l'élève, personne ne l'aura. Avec cette possibilité d'éditer en un seul clic tout ce qui a été travaillé, acquis ou est en cours d'acquisition, tous les coéducateurs peuvent constituer une communauté cohérente autour de l'enfant. Et ce partage, c'est quelque chose qui s'appelle le cloud, qui paraît très mystérieux, mais c'est ça qui le permet quand il est bien utilisé. Et je crois que c'est essentiel. Pour avancer, il nous fallait aussi trouver des partenaires. Et nous nous sommes logiquement tournés vers le ministère qui s'occupe le plus d'éducation, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai frappé à la porte du handicap, du numérique, et nous avons été entendus. Je crois que les révolutions les plus importantes, on peut les faire avec les partenaires en place. Je suis persuadée que ce sujet rassemble. Localement, il peut diviser, car c'est difficile d'accueillir un enfant comme celui-là dans une classe. Mais la question de l'évaluation, qui est tellement nécessaire à l'accueil des enfants, quand ils sont 100 000 ou plusieurs centaines de milliers, est une vraie question. Et je suis persuadée que les pouvoirs publics, comme les entrepreneurs sociaux, les enseignants, les inspecteurs, des bénévoles, tout le monde peut se rassembler pour construire les solutions qui n'existent pas. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire
que rien ne me prédestinait à travailler dans l'univers de l'éducation, mais que face à un problème, il existe toujours des opportunités de se rassembler. Et pour qu'un enfant puisse aller à l'école, même quand il a un handicap à plus de 80% comme celui-là, il doit montrer qu'il est capable. On doit l'aider à montrer qu'il est capable. Et on doit prendre le risque d'objectiver ce qu'il ne sait pas, mais aussi ce qu'il sait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, peut-être, la prochaine fois que vous aurez entre vos mains un livret scolaire, et que ce livret scolaire valorise de grandes marches qui ont été franchies, ou de toutes petites marches, peut-être que vous pourrez vous demander non pas qui est cet enfant, mais bien où il en est de son parcours, et comment, à partir de là, l'accompagner dans son chemin vers la connaissance. Je vous remercie.